Bonjour tout le monde, bienvenue à l'Église des Nations à Gatineau. Nous sommes bénis ce matin de pouvoir nous retrouver encore à travers cette technologie pour louer le Seigneur, pour prier ensemble, pour chanter ensemble, pour juste passer du temps aussi merveilleux avec le Seigneur. Je vous invite à ouvrir vos cœurs pour écouter ce que il a à nous dire, le Seigneur. Aujourd'hui, c'est une nouvelle journée et je sais et je crois que Dieu a une nouvelle chose aussi pour nous aujourd'hui. Alors, Danessa et Diana, ils ont une toute petite chanson pour nous. Je vous laisse chanter. Il tient le monde dans ses mains. 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 Amen. Oui, Seigneur, tu tiens le monde dans tes mains. Tu es capable d'agir, Seigneur. Tu es capable de faire. Rien n'est impossible pour toi. Nous voulons, Seigneur, ce matin, te faire confiance, Seigneur. Nous voulons te laisser faire. Nous voulons consacrer ce moment pour toi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce que tu vas faire pour nous dans notre vie. Ce matin, nous avons un très grand privilège d'être conduits dans la louange par Ben. Et par la suite, nous allons avoir une parole apportée par Célestin. Soyez bénis. Bon dimanche. Ma rédemption, où
sont sans couleur pour moi. Que mon âme s'écrie Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Ma tête est pliée, elle a été effacée par le sang précieux que Christ a versé. J'ai vaincu, son emprise n'est plus, il m'a libéré pour l'éternité. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi. Que mon âme s'écrie Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Ô Jésus, ô Jésus, nous te louons, nous te louons, digne de louange. Tendre Père, élevé sur la terre, sois glorifié, que ton ciel et ta volonté soient par nos vies révélées. Et de demain, tu soutiens nos vies par ta main. Toi, notre plus grand bien, loué soit Dieu notre Père, loué soit Dieu Jésus-Christ. À lui soit puissance et règne pour les siècles des siècles. Loué soit Dieu notre Père, loué soit le Saint-Esprit. À lui soit puissance et gloire pour les siècles des siècles. Oh, glorifié, que ton ciel et ta volonté, oh, 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 soit par nos vies révélées. Loué soit Dieu notre Père, loué soit Dieu Jésus-Christ. À lui soit puissance et règne pour les siècles des siècles. Loué soit Dieu notre Père, loué soit le Saint-Esprit. À lui soit puissance et gloire pour les
des siècles et des siècles. À jamais, tu es glorifié. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus.
et triompher. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. L'agneau est triomphé. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. L'agneau est triomphé. Nous chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. À jamais il est glorifié. À jamais il est élevé. À jamais ressuscité. Il est vivant, il est vivant. Oh, à jamais il est glorifié. À jamais il est élevé. À jamais ressuscité. Il est vivant, il est vivant. Oh. Nous chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia. L'agneau est triomphé. Nous chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. L'agneau est triomphé. Tu as triomphé. L'agneau est triomphé. Jésus, tu es glorifié. Élevé. Te louons, Jésus, jamais nous te louons, nous te louons, Jésus. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des dîmes et des offrandes. Malachie 3, à partir du verset 10, dit « Apportez, oui, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes et les offrandes afin qu'il y ait de pain. Mettez-moi, oui, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, et vous verrez, dit l'Éternel des armées. » Oui, apportez à la maison du trésor les dîmes et les offrandes. Pourquoi apporter les dîmes et les offrandes? Parce que l'Éternel nous le demande. C'est un acte d'obéissance à l'égard de l'Éternel. Pourquoi apporter ces dîmes et ces offrandes? Mais c'est parce qu'en choisissant de le faire, on choisit de faire confiance en l'Éternel, on choisit de lui donner le contrôle total de nos finances. Pourquoi apporter ces dîmes et ces offrandes? Eh bien, parce que c'est un acte de reconnaissance à l'égard de l'Éternel qui pourvoit à tous nos besoins avec richesse et gloire. Pourquoi apporter ces dîmes et ces offrandes? Eh bien, parce qu'il a beaucoup plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Cela nous procure du bien de donner ce qu'on a, ce que l'on a reçu de l'Éternel. Alors je nous encourage à continuer de donner nos dîmes et nos offrandes, car il a promis, oui, il a promis, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne déverse pas sur vous la bénédiction
en abondance. Alors, tout à l'heure, à la suite de cette vidéo, vous verrez qu'il y a des instructions qui sont données pour continuer à faire nos dîmes et nos offrandes. Soyez bénis et contribuons à l'avancement du royaume de Dieu en donnant nos dîmes et nos offrandes. Bonjour à chère Église, bonjour à tout le monde qui est rentré de nous suivre ce matin, de prier avec nous. C'est toujours un bon moment, un moment merveilleux quand nous venons ensemble ce matin pour louer l'Éternel, comme on l'a fait ce matin dans la louange, dans la musique, et aussi d'avoir le moment de regarder la parole de Dieu, puis de partager la parole de Dieu ensemble. J'aimerais d'abord commencer par prier, prions ensemble. Seigneur Dieu, nous te remercions encore une fois ce matin que nous sommes rassemblés, ensemble ben, dans nos maisons, virtuellement, mais tu es avec nous, ton esprit est avec nous, et nous te présentons encore une fois nos cœurs, afin que tu parles à nos cœurs et que tu nous instruises par la parole que tu nous donnes en ce moment, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce matin, je voudrais vous proposer le titre, comme titre de message, « Libéré ». Bon, c'est pas le titre de la chanson dans La Reine des Neiges, je sais pas si c'est La Reine des Neiges 1 ou 2. Peut-être mes filles diraient que c'est ça, mais c'est pas ça. Donc, c'est plutôt « Libéré en Jésus-Christ ». Et les textes principaux auxquels je me réfère ce matin, c'est Jean, chapitre 8 et Exode chapitre 12. Alors en Jean chapitre 8, nous avons une conversation qui se passe entre les Juifs et Jésus. Et dans le chapitre, Jésus est en train de leur expliquer qui il est. Et Jésus avait des conversations comme ça beaucoup de fois avec les Juifs, et des fois ça ne tourne pas très bien, et ça c'est une de ces conversations où c'était pas vraiment facile pour lui d'avoir l'audience et accepter ce qu'il était en train de dire. Alors donc au verset 8 de chapitre 12, au verset 12 de chapitre 8 de Jean, Jésus parle, ici il parle aux Juifs et il leur dit: je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Alors, à partir de là, si vous voulez, vous pouvez donc lire un peu plus dans le passage pour voir la conversation que Jésus a eue avec les Juifs. Il est en train de leur expliquer qu'il est le Fils de Dieu, venu de Dieu. Et plus tard, donc au verset 31, il y en a certains, en fait, qui croient en lui. Donc apparemment c'est pas tout le monde à ce moment, c'était quelques-uns. Alors la parole de Dieu nous dit quand Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Au verset 31 de Jean chapitre 8, ça dit: et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui: si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors au verset 32, les Juifs lui répondirent: nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Et là, la discussion commence avec Jésus, continue du moins en fait, avec Jésus et les Juifs à propos de la descendance des Juifs, du fait qu'ils sont la descendance, la postérité d'Abraham. Comme on le voit dans le verset 33, eux, ils définissaient leur liberté comme dans la descendance biologique, biologique d'Abraham. Et Jésus essayait en fait de les amener à remarquer que la vraie liberté vient à le recevoir lui. C'est vraiment la liberté de devenir la postérité d'Abraham dans le sens plutôt spirituel. Et donc la conversation se passe comme ça, et vers la fin, si vous lisez dans le chapitre 8 de Jean, vous verrez qu'il y a eu un désaccord entre Jésus et les Juifs. Mais ce que je remarque surtout, c'est que Jésus essayait de
de les amener. Parce que Jésus n'a pas nié qui sont la postérité d'Abraham. En fait, dans un certain passage, dans un verset, il dit « Oui, vous êtes la postérité d'Abraham. » Et dans une autre partie, il dit « Mais si vous étiez en fait la postérité d'Abraham, vous comprendriez qui je suis et vous me recevriez. » Et on remarque qu'il essayait de les amener à remarquer la dimension prophétique, si je peux dire, d'être la postérité biologique d'Abraham. Cette dimension prophétique, c'est celle en fait qui pointait à Jésus, la postérité spirituelle d'Abraham, celle qui donne la vraie liberté. Et donc, ce que je veux donc résumer un tout petit peu, c'est que l'histoire des Juifs apparaît, elle est vraie évidemment, c'est ce qui s'est passé, Dieu a marché avec eux et continue de chercher les Juifs, les Israélites, comme ils cherchent toute personne sur la terre afin qu'ils les reçoivent. Mais leur histoire est en même temps une dimension prophétique par rapport à l'histoire de l'humanité tout entière. Juste pour résumer, l'histoire des Juifs commence par l'appel d'Abraham, où Dieu lui dit « Quitte ton pays, ta famille, et viens dans une terre que je te montrerai », et lui donne une promesse de faire de lui une grande nation. Alors, Abraham quitte, je crois que c'est Ur en Chaldée, il va se diriger vers la terre promise, Canaan, où Dieu le conduit. Dans cette terre, il a eu comme fils Isaac. Isaac a eu comme fils Ésaü et Jacob. Et finalement, Jacob, le fils d'Isaac, a eu 12 fils et une fille. Et Jacob, à un certain temps, il y a eu de la famine et sa famille s'est dirigée vers l'Égypte. Ils ont passé 430 ans en fait, en Égypte. Et finalement, par la main puissante de Dieu, à travers Moïse, Dieu les délivre de la servitude en Égypte pour les ramener encore à travers un long trajet, un trajet de 40 ans, jusqu'encore une fois à la terre promise à leur ancêtre Abraham, donc en Cana. Donc, on voit un détour dans la vie du peuple des Juifs. Et dans notre vie spirituelle, on a aussi un détour où, si on commence dès le commencement, Dieu a créé Adam et Ève, et tout était parfait. Il n'y avait pas encore de péché, et ils étaient dans le jardin d'Éden, Dieu était avec eux, et Dieu était continuellement en communion, et il venait les voir. Mais à un certain moment, Adam et Ève ont péché, et nous savons que nous-mêmes, dans notre naturel, nous avons l'inclinaison vers le péché à cause du fait que nous sommes les descendants d'Abraham. Mais Dieu a promis que la postérité d'Abraham, qui est aussi la postérité spirituelle, la postérité la postérité d'Adam, qui est aussi la postérité d'Abraham, Jésus-Christ en fait, viendrait écraser la tête du serpent et restaurer la relation entre Dieu et les hommes pour ceux qui reçoivent Jésus. La parole de Dieu en Ésaïe nous dit que nous étions tous perdus, chacun suivait sa propre voie et Dieu a fait retomber sur Jésus tous nos péchés. Alors, en recevant Jésus, nous retournons dans cette relation, donc nous retournons dans cette relation avec Dieu après avoir fait ce détour, parce que tout le monde a péché et a été privé de la gloire de Dieu, mais nous sommes justifiés en revenant à Dieu, en recevant Jésus-Christ. Et nous avons en Jésus-Christ la promesse de la vie éternelle, et nous savons qu'évidemment il va restaurer toutes choses, qu'il y aura une nouvelle terre et un nouveau ciel où nous allons vivre en paix. Alors, on voit cette similarité. Et je veux m'arrêter particulièrement sur la dimension prophétique de la sortie des enfants d'Israël du pays d'Égypte, surtout le jour où ils sont sortis du pays d'Égypte. Dieu a envoyé Moïse
qui est allé parler à Pharaon. Et si vous êtes familier avec l'histoire, vous saurez qu'il y a eu 9 fléaux d'abord qui sont abattus par la main de Dieu sur l'Égypte, et Pharaon n'a pas voulu laisser les enfants d'Israël partir. Le dernier jour où il les a fait partir, où il les a laissés partir de ce pays, il y a eu un dernier fléau, le 10e, et où alors Dieu a dit à Moïse, tu vas dire au peuple d'Israël d'immoler un agneau mâle, blanc, et de mettre le sang sur les portiques. Alors, il y a certains détails dans les instructions de Dieu à Moïse à propos de ce jour-là où il a délivré le peuple, qui ramène, qui a une dimension prophétique de la mort de Jésus. Comme par exemple le fait d'avoir un agneau mâle sans tache qui est immolé, et puis on met le sang sur les portiques, donc c'est sur le bois carrément. Ça a une dimension prophétique qui donne l'image de Jésus, qui est l'agneau immolé, et dont le sang a coulé sur le bois, sur la croix, pour nous sauver. Et quand, lors de la sortie d'Égypte aussi, Dieu a dit à Moïse qu'il mangerait cet agneau-là qu'ils avaient tué, rôti, et qu'il ne devait pas briser les os de cet agneau-là. Ça semble des pratiques un peu animistes, un peu bizarres, des détails comme ça. Mais quand on regarde en Jean chapitre 19, verset 36, on voit que Jean nous ramène aussi à cette parole où il dit le fait que les os de Jésus n'ont pas été brisés à la croix, alors que ceux de deux autres brigands ont été brisés. Et il dit que cela a été fait pour que la prophétie soit accomplie, donc la prophétie qui a été commencée au niveau de la première Pâque. Et d'ailleurs, Dieu a indiqué aux Israélites que cet événement-là, ils allaient le célébrer comme étant la Pâque de l'Éternel. Et je trouve que ce n'est pas par coïncidence qu'au moment où Jésus est mort, c'était le moment de la célébration, de se souvenir de la sortie d'Égypte pour le peuple d'Israël. C'était vraiment le moment de la Pâque. Donc c'est comme si les Juifs ont continué à prophétiser, à se souvenir de leur liberté de l'Égypte, de la maison de la servitude. Et chaque fois qu'ils se souvenaient, c'était un message prophétique de la liberté que nous avons en Jésus-Christ, et donc qui est venu nous libérer du péché, comme il essayait en fait de l'expliquer aux Juifs. Et donc, en nous projetant donc dans l'événement de la sortie d'Égypte des Juifs, on peut voir donc des aspects spécifiques de notre liberté qui nous aident à comprendre à quel point nous sommes libres de l'emprise de l'ennemi. L'une de ces choses, par exemple, c'est le passage à la mer Rouge. La parole de Dieu en fait dit que, donc en Exode chapitre 13, que Dieu a choisi de faire passer les enfants d'Israël du côté de la mer Rouge, parce que du côté du pays des Philistins, il a dit qu'ils auraient peut-être peur, puis ils pourraient retourner. Alors, il les a fait traverser la mer Rouge, séparés en deux. Ils sont passés de l'autre côté et Pharaon a envoyé son armée à leur poursuite. Mais quand ils ont traversé de l'autre côté, traversé à travers la mer Rouge, quand quelqu'un reçoit Jésus, on symbolise ce passage-là avec le baptême dans l'eau, qui en fait pointe à la chose réelle de la mort et la résurrection de Jésus qui nous sépare de l'ennemi quand on le reçoit. Dieu a refermé l'eau de la mer Rouge sur l'armée de Pharaon qui poursuivait les Juifs et a laissé le roi Pharaon de l'autre côté de la mer Rouge, donc séparant l'ennemi de son peuple. Donc, de façon que l'ennemi ne pouvait pas donc
plus atteindre, mettre la main sur le peuple de Dieu. Et je crois que cela nous symbolise, nous montre la liberté, comment nous avons été libérés de l'ennemi. Parce qu'il n'a pas de pouvoir de mettre la main sur nous, car Jésus a dit « tout est accompli ». Tout ce qu'il faut pour nous libérer est accompli. C'est pourquoi même la parole de Dieu nous dit « il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ ». Donc, il ne peut pas nous condamner, il ne peut pas nous asservir lorsque Jésus est en nous. Il y a aussi deux autres éléments que je voudrais pointer dans la liberté que nous avons en Jésus-Christ. Au verset 29 de Exode, la parole de Dieu dit « au milieu de la nuit », donc ça c'est à propos du dixième fléau qui s'est abattu sur Égypte et qui a permis aux enfants d'Israël de sortir. « L'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur le trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. » Ici, on voit la parole de Dieu qui dit que Dieu a frappé depuis le premier-né du Pharaon, assis sur le trône. Pharaon, c'est qui? Pharaon, c'était le roi. Il représente le trône d'Égypte. Le trône est ici, donc dans ce temps-là, par rapport aux Juifs, Égypte symbolisait le pays de la servitude. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais c'est ça le symbole ici. Et l'Éternel commence par détruire le premier-né de Pharaon, donc c'est-à-dire la succession en trône, la succession en autorité du trône de servitude sur ses enfants. Donc ce qui veut dire, donc juste comme je dis, ça c'était vraiment ce qui s'est passé avec les Juifs, c'est à une dimension prophétique pour la libération que nous avons en Jésus-Christ. Et ce que je sens le Seigneur nous dire aujourd'hui, c'est qu'il a détruit la succession en autorité de l'ennemi sur nous. Donc, il n'y a pas d'emprise générationnelle sur nous de la part de l'ennemi, parce que Dieu l'a détruit à travers l'œuvre de Jésus-Christ. Quand je méditais sur ça, le Seigneur m'a montré une sorte de tuyau. C'est ça, c'était dans mon esprit que je voyais un tuyau qui normalement fait couler d'eau. Et c'est comme s'il y avait des blocages à plusieurs niveaux de ce tuyau, mais les blocages qui étaient dans du coton, donc du coton qui est à l'intérieur, qui faisait semblant d'empêcher. Et le Seigneur Jésus, c'est comme il se tenait de l'autre côté du tuyau, il ouvre la bouche, puis de l'eau, avec un grand débit, il sort et passe par le tuyau. Évidemment, quand ça rentre dans le tuyau, c'est juste le coton ne peut pas stopper cette force-là d'une telle poussée d'eau. Et c'est ça l'image que j'ai vue à propos de ce verset-là. Et je sais que ça parle à quelqu'un aujourd'hui qui se dit « Non, moi j'ai des choses dans le passé, des pratiques peut-être animistes qui me stoppent d'avancer. » Mais quand tu as reçu Jésus, quand tu as le Saint-Esprit, ce que Dieu veut que tu saches, c'est qu'il a détruit tout ça. Il a détruit tout ça. Le Saint-Esprit ne peut pas cohabiter avec ces choses-là. Il nous a donné la puissance et nous a libérés de l'emprise de l'ennemi de génération en génération. Il a détruit sa transmission de son autorité sur nous. Alors, nous sommes libérés en Jésus-Christ. Et l'autre chose que l'on remarque aussi au verset 1 et 2 de Exode 13, l'Éternel a même demandé à Moïse de consacrer les premiers-nés des enfants d'Israël. Donc les premiers-nés, encore une fois, ici, représentent l'héritage. Et Dieu lui demande de les consacrer à l'Éternel. Ce qui veut dire que Dieu s'est acquis de nous comme héritage. Non seulement il a détruit l'autorité du diable sur nous, mais il s'est acquis de nous quand on reçoit Jésus comme son héritage. Donc, l'héritage que nous avons, ce n'est pas l'emprise de l'ennemi sur nous, mais c'est plutôt tout ce que nous avons en Jésus-Christ, tout ce que Dieu nous a préparé en Jésus-Christ. D'ailleurs, la parole de Dieu nous dit que c'est lui qui n'a pas épargné son Fils et l'a donné pour nous. Comment est-ce qu'il ne nous donnera pas toutes les choses
avec lui. Et c'est aussi évidemment ce qui s'est passé avec les Juifs quand ils sont sortis d'Égypte. Dieu leur a dit d'aller prendre toutes, de demander aux Égyptiens de leur donner toutes les choses de valeur, des pièces, des objets ou des ustensiles en or et en argent. Et ça, c'est au verset 36 de Exode 12. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens, qui se rendirent à leur demande et ils dépouillèrent les Égyptiens. Le peuple de Dieu avait été asservi pendant longtemps à travailler comme des esclaves. Mais quand Dieu les a fait sortir avec sa main puissante, il s'est assuré qu'il restaure la richesse même qu'ils avaient perdue pendant toutes ces années qu'ils avaient été dans la servitude. Et c'est ça que le Seigneur Jésus a fait pour nous. Il restaure la richesse que le diable a voulu prendre en nous prenant dans la servitude. Quand on le reçoit, on n'a pas besoin de vivre dans le regret pour dire « Oh, j'ai perdu plusieurs années de tout ça, puis de tout ça, il y a ça, et il y a A, B, C que je ne pourrais pas. » Mais Dieu a restauré notre richesse en Jésus-Christ. Et quand je méditais sur ça, je demandais à l'Éternel, est-ce qu'il y a un peu de plus que tu peux me montrer qui témoigne encore de ce que tu as fait, de notre liberté en toi. Et le Seigneur m'a rappelé que lorsque Jésus est né, et quand Hérode en Israël voulait le faire mourir alors qu'il était encore bébé, Jésus a pris refuge en Égypte. La terre de servitude pour le peuple de Dieu est devenue la terre de refuge pour le Fils de Dieu. Et c'est vraiment un élément prophétique pour voir à quel point Dieu a restauré notre vie et nous sommes libres. La parole de Dieu nous dit que Jésus nous a donné la liberté de marcher sur les scorpions et sur les serpents. Et quand Jésus d'ailleurs a prononcé cette parole, c'est quand il avait envoyé ses disciples pour aller prêcher. Et ils sont revenus, ils lui ont dit, « Oh Seigneur, même les démons nous obéissent en son nom, en ton nom. » Les démons, évidemment, ils travaillent avec le diable, c'est les mauvais esprits. Et Jésus a dit, « J'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair. » Et c'est là où il a dit qu'il leur a donné et il nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Et il ajoute encore, et rien ne pourra vous nuire. Alors, je remarque, Jésus est en train de dire ça, même avant sa mort, même avant que le Saint-Esprit soit envoyé sur ses disciples. Combien alors, à plus forte raison, maintenant que Jésus est mort et ressuscité, que nous l'avons reçu dans notre cœur et qu'il a envoyé son Saint-Esprit pour être en nous. Combien nous sommes encore libres de toute puissance de l'ennemi et que rien ne pourra nous nuire. Chers frères et sœurs, soyons rassurés car nous sommes libérés en Jésus-Christ. Nous avons la puissance de marcher sur tout pouvoir de l'ennemi. Évidemment, des fois, l'ennemi, il veut nous faire croire autre chose. Parce qu'il a été séparé de nous. Il ne peut pas mettre la main sur nous à cause de l'œuvre que Jésus a fait en nous sauvant lorsque nous sommes cachés en Jésus. Mais ce que Jésus a dit aux Juifs et qu'il nous dit aussi, c'est que l'ennemi est le père du mensonge. Au début, quand il a incité Adam et Ève à pécher, il a utilisé le mensonge. Et c'est la même chose. Il veut nous mentir comme s'il a encore de l'emprise sur nous. Et la solution, c'est ce que Jésus, dans le chapitre 8 de Jean, était en train de dire aux Juifs. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes réellement mes disciples et vous connaîtrez la vérité et la vérité
vous affranchira. Demeurons dans la parole de Dieu, parce que en demeurant dans la parole de Dieu, cette parole, elle va nous enseigner la vérité, et c'est par cette vérité que nous sommes capables de réduire au silence les mensonges de l'ennemi et de marcher comme étant libérés dans la liberté que Jésus nous donne par sa mort et sa résurrection. Je prie que Dieu renforce cette parole en nous. Je prie que Dieu nous donne cette puissance, cette grâce et cette révélation jour par jour de marcher dans cette liberté qu'il nous a donnée. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous tenons à remercier tous ceux qui nous ont écoutés ce matin. Vous savez, Dieu nous aime et il nous a créés pour vivre en relation avec lui. Mais à cause de la désobéissance de l'homme, nous avons perdu cet accès auprès de Dieu. La Bible dit qu'à tous ont péché et sont privés de la présence de Dieu. Mais Dieu, qui est riche en amour, a envoyé son Fils, Jésus-Christ, mourir sur la croix, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il reçoive la vie éternelle. Désormais, au moyen de la foi, nous pouvons avoir de nouveau une relation avec Dieu. La Bible dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est par la confiance que je mets en la personne de Jésus que je peux être sauvé. Si ce matin, c'est le désir de votre cœur de placer votre confiance en Jésus-Christ, vous pouvez prier avec moi. Je vous invite à faire cette prière du fond de votre cœur. Seigneur Jésus, Seigneur et Sauveur Jésus, ce jour, je choisis de placer ma confiance en toi. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait qui ne t'a pas plu. Merci du pardon que tu m'accordes. Désormais, je choisis de placer ma confiance en toi. Je choisis de vivre en suivant tes enseignements. Amen. Si vous avez fait cette prière, faites-nous le savoir en nous envoyant un courriel et nous prierons pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. Sachez que vous êtes aimés. Merci.